Bonjour, lundi 7 mai 2018. Je suis au bureau, c'est bien mes craintes. Vous avez vu hier dans la vidéo, je vous montrais le terrain. J'ai essayé de vous le montrer comme ça. Voilà, c'est fini. Hein. J'ai demandé au chef, là, il va falloir chercher un nouveau bureau parce qu'un trac, c'est sous mon nez, la poussière, le bruit. Dommage, donc, c'est comme ça. Ah, il terrasse, il fait ça, a l'air grand, ça va. Voilà, je vous disais, les derniers champs de Tapawindi au Tap. Va falloir monter, continuer en direction de la jungle, la forêt, peut-être. Bon, voilà, c'était un peu le. Tout change, fallait pas s'accrocher à ces champs, hein. C'était juste des champs, mais c'était joli. Puis il y avait mes perroquets qui venaient là, dans les arbres, des paquets de 4-5 perroquets verts. Tu sais, qui font comme les colibris, ils peuvent faire du surplace, ils venaient comme ça. Ils volaient vraiment comme ça. À 4 ou 5, ils partaient. Et juste devant moi, ils ont coupé l'arbre. Et ils viennent tourner, ils se posent des questions, ils cherchent, ils repartent. Et il y a le trac, ils tournent autour du trac. Human power, hein, good. Alors ça va faire un gros hôtel vide, parce que comme ils louent 10 fois, voilà, je vais faire mon coup de gueule, ça sert à rien ou bien. Enfin, ils vont louer, voilà, comme c'est de père en fils, les hôtels, ils vont louer 10 fois le prix, et puis ça va être 10 fois pas plein, un dixième, mais ils s'en fichent. Tant qu'ils peuvent au jour le jour prendre assez pour vivre. Et puis ils investissent quoi, je sais pas, d'où vient, je demande et tout, mais il y a quand même beaucoup d'argent, c'est bien, on arrive, on paye des milliers de francs pour apprendre le yoga. Puis eux, ils transforment ça en béton quoi. Ils transforment ça en béton. J'ai fait la même chose, hein, partiellement. J'ai posé mon deuxième ou troisième pied, je sais pas comment ça s'appelle. En Thaïlande, dans des murs bien épais, bien armés en béton. Ah voilà, ça reste, c'est concret, mais on va pas mourir avec son hôtel. Parce qu'il y a d'autres trucs à faire. D'ailleurs, il y a un monsieur qui m'attend. Vous avez vu la vidéo d'il y a 2 ou 3 jours? Il y a ce monsieur qui est tout seul en haut qui fait des satsangs. Et je suis venu demander au chef de chantier. Je vais parler. Donc je vais regarder. J'ai préparé mes affaires. Non, c'est pas ça. Ah, c'est ça. Et puis, comme je prends des notes et tout, je vais lui poser des questions. Et puis, comme il faut s'habiller de circonstance, je suis à moitié habillé de circonstance, je vais vous montrer. Je me suis fait un de ces. On voit rien, on va couper quoi. Désolé. Je me suis fait un de ces trucs cousus de fil d'or, bordé de fil d'or en bas. Et puis, je vais aller maintenant, il est tard, hein, c'est déjà, je sais pas, 9h15. Je vais aller faire apprendre quelque chose de comprendre, intégrer, évoluer. Et puis on va aller laisser construire leur béton. Hein. Voilà, au revoir, bonne journée ou à plus, on verra. Je vais faire de moins en moins de vidéos parce que c'est vraiment des heures à les mettre en ligne. Puis bon, ben voilà. Mais j'ai vraiment des trucs beaucoup plus intéressants à faire que de rester devant l'ordinateur. Tous les 4 projets là, mais ils dorment pas, ils sont un peu en plan. Qu'est-ce que vous dites? Hein, j'entends rien. Là, c'est le trax, hein, ouais, non, il faut changer de bureau, là. Ok, au revoir, bonne journée.